Are you angry? Mais juste avant, il faut que j'aille au système Bollagate pour acheter de l'alcool. Donc les magasins spéciaux en Suède, les seuls magasins où tu peux trouver de l'alcool. Donc salut salut, c'est Louise et on se retrouve pour la deuxième partie de mon vlog semaine avec moi. Donc là pour vous remettre un peu dans le contexte, on est mardi après-midi et je venais juste d'apprendre la bonne nouvelle que j'étais prise dans mon université en Suède. Donc comme vous voulez le voir pendant ma rue, je l'ai dit direct à ma collègue, elle était super contente pour moi et tout. Et là voilà, j'étais si fière, il fallait que je vous remonte les résultats. Donc oui, j'ai été admise, vous avez la confirmation visuelle. Ensuite, après ça, j'ai décidé de me motiver pour aller à la piscine. Donc je suis montée sur mon vélo vu qu'il faisait beau. Et la piscine est environ à 10 minutes en vélo de chez moi, donc c'est vraiment pas long. Et voilà, bien arrivé. Alors j'ai voulu vous filmer un maximum, mais il faut savoir que bah comme dans toutes les piscines, c'est interdit de filmer, voilà. Mais je voulais surtout vous montrer ça. Dans toutes les piscines en Suède, il y a des saunas et des hammams. Donc ça, c'est plutôt cool, surtout que c'est gratuit en fait. Et donc moi, j'adore ma piscine parce que c'est une grande piscine ouverte en plein air où on peut amener sa nourriture, tout ce qu'on veut, faire des pique-niques. Et voilà, j'avais fini ma petite séance d'une heure. Alors une fois à la maison, après toutes ces émotions fortes et tout ce sport, j'étais vraiment exténuée, mais j'ai pas perdu de temps pour appeler mon copain et qu'on parle un peu de la bonne nouvelle et tout ça, parce que lui aussi forcément il était super content que je le rejoigne en Suède cette fois-ci pour de bon. Donc c'était vraiment super cool de pouvoir parler de ça en appel, parce que jusqu'à maintenant au cours de la journée on s'était seulement envoyé des messages à propos de ça. Et j'ai terminé la journée par un petit dîner un peu spécial à base de gaufres, comme je les aime. Alors mercredi, j'étais hyper contente de me lever parce que voilà, le gros stress était passé, j'avais enfin eu ma réponse et c'était l'heure de retourner au bureau. Donc, ah oui, faites pas attention aux trous dans mon legging, c'est normal. Alors je me suis préparée mais avec un peu plus de soin que d'habitude parce que pour fêter la bonne nouvelle, j'ai réussi à motiver mes amis pour qu'on se voie le mercredi soir. Donc c'est des amis que j'ai rencontrés lors de mon premier stage en Suède et donc que je connais depuis un peu plus d'un an et j'avais trop hâte de les revoir. Et c'est parti, on est ready. Alors ce jour-là, j'étais un peu en retard, donc je faisais ma réunion dans le train et j'avais également pris mon vélo avec moi dans le train. C'est plutôt commun, il y a pas mal de gens qui le font. Ça me permet de gagner du temps après, une fois arrivé à Malmö, pour aller au travail. Donc tout est assez bien organisé pour les passagers avec des vélos à la gare. Voilà, l'escalator, c'est un escalator en tapis roulant. Et ensuite, directement à la sortie de l'ascenseur, on a la vue sur le port de Malmö. En plus, ce jour-là, la météo était vraiment géniale, donc ça fait plaisir. C'est vraiment un bon moyen de commencer sa journée. Et bien sûr, en passant, j'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil à mon université. Voilà, un bâtiment super beau, ultra moderne. Franchement, j'avais trop du mal à réaliser que j'avais été acceptée ici. Alors une fois arrivée au travail, j'ai revu mon planning parce que la fin de mon stage approchait à grands pas. Je voulais juste être sûre d'avoir le temps de tout finir avant la fin, tout ce que j'étais censée faire. Et l'ambiance au travail était super cool, mes collègues étaient super contents pour moi, pour ma bonne nouvelle. Regardez-moi cette desk view avec le ferry, quoi, magnifique. Et ensuite, à la pause midi, cette fois, j'ai réussi à vous filmer un tout petit peu plus de la cafétéria. J'espère que vous appréciez l'effort, parce que franchement, c'était gênant. Et comme vous le voyez, bah, le bâtiment est hyper moderne, c'est vraiment un super endroit pour travailler.
Là, en plus, c'est vide, donc ça a vraiment l'air énorme. Mais je vous jure que quand il y a des centaines de personnes qui travaillent, c'est pas le même effet. Bon, comme vous l'avez remarqué, je viens de finir mon travail et maintenant je suis trop contente parce que je vais aller retrouver mes amis pour fêter ma bonne nouvelle d'hier. Ça va être trop trop bien. On va se faire un petit repas et tout, ça va être grave sympa. Et du coup, je suis bien contente d'avoir mon vélo parce que comme ça, ça va aller plus vite pour aller là-bas. Mais juste avant, il faut que j'aille au Système Bollagate pour acheter de l'alcool. Donc les magasins spéciaux en Suède, les seuls magasins où tu peux trouver de l'alcool. Si vous voyez des bouteilles dans les supermarchés en Suède, ce n'est pas de l'alcool. C'est soit des choses non alcooliques ou soit vraiment des trucs, des boissons à moins de 3%, quoi. Je pense à la toute jeune Louise qui a été arrivée en Suède et qui va acheter du champagne sans alcool par accident parce que je ne savais pas. Mais bref, c'était marrant. Et du coup, j'ai ça à acheter et je pense que je vais acheter aussi un petit gâteau histoire de marquer le coup. Mais voilà, je suis grave de bonne humeur, je suis pleine d'énergie et je vais essayer de vous filmer un maximum. Parce qu'en plus, on est à Malmö, donc c'est bien, ça change. Voilà, voilà. Et oui, j'ai décidé de vous montrer Malmö et j'avais même fait un détour pour vous montrer cette rue qui, pour moi, est clairement une des plus belles de la ville. Au magasin, j'étais hyper contente parce que j'avais trouvé le prinsesstårta, qui est mon gâteau suédois préféré à la pâte d'amande et à la crème pâtissière. Et ensuite, je suis allée au Système Bollagate pour acheter les petites bulles. Et une fois les courses faites, pour rentrer chez mon ami, c'était vraiment hyper rapide vu qu'il habite littéralement en plein centre de Malmö. Donc sur ce point-là, j'avais pas à me plaindre. Et comme vous le voyez, il a vraiment une super terrasse, voilà. Ils sont 4 ou 5 colocs, il me semble, à vivre là. Et ils ont fait un petit potager et tout, vraiment en plein centre-ville. Ils ont vraiment un appart de rêve, quoi. En plus, ce jour-là, la météo était avec nous. Teamwork. Are you angry? I'm just annoyed. To get rid of I don't know. What does it do to you? I guess I have some anger issue, you know. Yeah, deep inside. I'm sorry. Et après tous ces joyeux fous rires, c'était l'heure de faire péter le champ. Bon ok, le mousseux, j'abuse un peu. Et voilà, je crois que la soirée s'est finie vers minuit, 1h. Et après, on a pris la direction de la gare pour rentrer à Lund, donc avec mon vélo comme d'hab. Et une fois arrivée à la maison, j'étais vraiment vraiment crevée, comme vous pouvez le voir. Et voilà, on est jeudi matin, et comme vous pouvez le constater, la fatigue ne m'a pas quittée. Donc, j'ai fait quand même ma petite réunion du matin avec le sourire et l'entrain, comme il se doit. Et ensuite, c'était direction atelier cuisine, où j'ai dû préparer à la fois mon petit-déj, donc avec mes petits flocons d'avoine, bananes, abricots, petites noix et mûres, mon petit goûter pour le travail et mon tupperware pour mon repas du midi. Donc ce jour-là, on partait sur des gnocchi fromage accompagnés tomates mozza. Vraiment excellent combo. Alors pendant mon petit-déj, j'ai vraiment pris mon temps histoire d'essayer de me réveiller tout doucement. Et comme vous le savez, j'adore faire des timelapses de mes petits-déj. Voilà, c'est ma passion. Je suis désolée, je vous en mets à chaque vidéo. Et avant de partir, j'ai dû préparer mon sac un peu plus que d'habitude parce qu'après le travail, j'allais prendre directement le train pour me rendre au Danemark, visiter mon copain. Parce que là, le jeudi, c'était le dernier jour de travail en présentiel pour moi. Vendredi, en télétravail, c'est vraiment le combo parfait pour le week-end. Comme mon vélo doit rester plusieurs jours à la gare, je préfère vraiment prendre celui de mon copain qui attire moins l'œil. Il a beaucoup moins de chances de se faire voler, on va dire. Et regardez-moi cette vue sur le parvis du port juste en face de mon travail. Vraiment... c'est magnifique. Avec mon bâtiment juste là.
Alors la journée au travail, elle a vraiment filé en 2 secondes, voilà, j'ai vraiment donné mon maximum où je me suis vraiment concentrée. Je trouve que c'est quand même plus facile d'être productif au bureau qu'en télétravail. Donc j'ai tout donné pour avancer un maximum et boucler un maximum de projets. Et ensuite, à 16h, direction la gare pour prendre l'Øresundtog, donc le train qui traverse le pont entre la Suède et le Danemark. Donc là, vous pouvez voir Malmö qui s'éloigne au loin. Et voici la gare centrale de Copenhague, alors qui est vraiment magnifique, je trouve. C'est une de mes gares préférées. Elle a ce style très industriel, un petit peu british, avec des poutres, etc. Donc j'ai essayé de vous le rendre à travers les images, mais elle est vraiment très belle. Et ensuite, il me restait encore à peu près 1h30 de train pour me rendre jusqu'à Odense. Donc c'est une ville beaucoup plus petite qui se situe un petit peu au milieu du Danemark. Enfin, la géographie du Danemark est super compliquée à expliquer vu que c'est plein d'îles avec plein de ponts. Mais en gros, voilà, c'est une ville beaucoup plus petite, très sympa, que j'aime aussi beaucoup. Et une fois arrivé, j'avais bien sûr mon chauffeur personnel qui m'attendait. À peine arrivé, on a fait les courses pour le week-end. Et voilà aussi votre premier aperçu de l'appart de fonction de mon copain, que je trouve vraiment magnifique. J'adore qu'il soit hyper lumineux. Et comme à chaque fois, après une semaine sans se voir, on aime bien un peu marquer le coup avec un petit dîner où on se fait bien plaisir. Pour terminer ensuite la journée sur un petit film. Donc ma journée de vendredi a commencé sur un petit déj de roi, comme vous pouvez le voir, je me suis fait plaisir. Et donc on commence direct avec le télétravail, voilà. Je m'étais relevée un peu à la bourre, donc je mange mon petit déj pendant la réunion du matin. À midi, j'ai mangé le reste de frites de la veille. Puis jusqu'à 16h, c'était boulot, boulot, boulot. À la fin de la journée, malgré la météo qui laissait vraiment à désirer, j'ai décidé de me motiver pour aller faire ma petite séance de natation. Car à Odense, il y a une piscine à même pas 5 minutes de l'appart qui est totalement gratuite. Et j'adore cette piscine parce qu'elle est vraiment originale, elle est posée sur le port quoi. Ensuite, j'ai travaillé sur la maquette de la couverture de mon livre. Et comme d'hab, on a fini sur une petite soirée, cinéma popcorn, vraiment le combo parfait. Alors samedi matin, il faisait vraiment trop beau, j'étais super contente et j'ai direct attaqué le montage de cette intro que vous avez pu voir en début de vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaît. Je suis trop contente, je viens de finir mon intro. Genre littéralement une intro de 30 secondes à faire, ça m'a pris genre 4 heures. Intro géniale, mais je suis contente, au moins comme ça c'est fait. Maintenant je vais manger un peu parce que ça fait 4 heures que je suis levée là, il est 10 heures, je me suis levée super tôt. Et du coup là je vais manger un petit bout et après j'attaque le montage de la vidéo en elle-même. Et oui, l'intro c'était pas le plus dur. Allez, motivation. Bon, maintenant il est 16h, je suis toujours devant mon ordi en fait. J'étais censée aller à la piscine, mais j'ai mis beaucoup trop de temps à faire un truc. Et en fait, j'étais en train de configurer mon tout nouveau serveur Discord. Donc je vais vous le montrer parce que je suis trop contente. Il est juste là. Donc voilà, il est hyper cosy, etc. Tout bien organisé avec toutes les infos, etc. Et en gros, c'est quoi le but de faire un serveur Discord pour moi, vous me direz, c'est qu'en fait, je reçois de nombreuses questions par rapport à mes vidéos. Et le problème, c'est que des fois, ils me posent des questions sur les réseaux sociaux, donc ça, c'est bien. Mais des fois, je reçois des questions par mail. Et ça, c'est pas pratique parce que, bah, en fait, du coup, je mets plein de temps à répondre, quoi. Surtout que la plupart des questions sont souvent les mêmes. En fait, elles reviennent. Donc par rapport à comment trouver un logement en Suède, comment se faire des amis en Suède, comment s'est passé ton voyage, la paperasse, enfin tout plein d'aspects hyper pratiques qui reviennent tout le temps en fait, que tous les étudiants Erasmus se posent, que moi-même je me suis posée. Et je me suis dit, au lieu de répondre à tout le monde individuellement à chaque fois la même chose, autant tout centraliser en un endroit
Et pour ça, je pense que Discord, c'est le meilleur réseau social, en fait, parce que j'ai pu organiser tout bien en thème, etc. Et du coup, voilà, toutes les infos utiles vont rester là. Donc, que vous voulez trouver des infos pour un Erasmus en général par rapport à la Suède, ou que vous voulez parler de tout ce qui est écriture, suivre l'avancée de mon livre, etc., vous trouverez tout sur ce Discord. Donc, le lien est juste en bas. Et là, je suis en train de commencer un peu à remplir quelques infos, genre... J'ai commencé par le logement parce que je sais que c'est ce qui intéresse le plus les gens. Donc tous les liens utiles pour trouver un logement Erasmus à Lund, etc. Du coup voilà, j'ai fait ça. Je suis très contente de l'avoir fait, même si c'était très compliqué pour moi parce que je suis vraiment novice avec Discord. Enfin, j'y suis depuis longtemps, mais j'avais jamais créé de serveur en fait, donc c'était un peu compliqué. Mais là maintenant, du coup, il est 16h, mon copain vient de rentrer du boulot et on va se préparer et on va sortir en fait. Parce que moi, je suis restée enfermée toute la journée dans ma grotte et j'ai trop envie de sortir, surtout qu'il fait trop beau. Donc là, c'est bon, je me déconnecte de l'écran et puis c'est parti. Et oui, comme vous pouvez le constater, j'étais vraiment très très motivée à sortir ce samedi soir. En plus, la météo était avec nous, donc c'était vraiment un plaisir. Donc j'ai essayé de vous filmer quelques images d'Odense, qui est une ville plutôt mignonne. Franchement, pour tout ce qui est architecture, infrastructure, etc., la Suède et le Danemark, c'est très très similaire. Moi, c'est un style que j'adore, c'est vraiment un mélange entre le traditionnel scandinave et des infrastructures comme ce pont, genre hyper moderne et tout, trop stylé. Là, je vous ai filmé le vieux théâtre d'Odense, qui est vraiment super beau, tout en briques. Et là, c'est le palais de justice, il me semble, avec un style un peu romain. Et puis, bah, comme partout en Scandinavie, des vélos partout, des marées de vélos. Donc on s'est trouvé un petit resto sympa, mais franchement, vous pouvez le voir sur les images, le problème en Scandinavie, c'est le vent. Surtout au Danemark, il y a tout le temps du vent, vraiment, c'est insupportable. Là en terrasse, je peux vous dire, ça se voit pas sur les images, mais il faisait froid. Et bah, on s'est bien empiffré, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment trop bon. You take a video? Yeah. Et après ce petit dîner sympa, on est rentré, donc c'était cool parce que le vent s'était un peu calmé sur le retour, donc c'était beaucoup plus sympa. Et les petits lapins scandinaves, toujours fourrés en ville et complètement neuneux, vraiment. Avec bien sûr le petit coucher de soleil sur le pont, vraiment, on apprécie. Et voilà, c'était la fin de la journée. Donc Yo, on est dimanche matin. Et on s'est bien amusé hier soir, comme vous avez vu des petites images. Donc je me suis levée à 10h là ce matin, puisque j'avais besoin de dormir. Je ne vais pas me réveiller à 6h tous les jours non plus. Du coup, le plan, c'est que là, comme mon copain dort encore, il va dormir jusqu'à, je sais pas, peut-être 13h, je pense, 13h, 14h. Parce que vu qu'il travaille du lundi au samedi, bah, le dimanche, il dort. Donc là, j'ai ce matin pour relire. Je vous montre. Relire tout ce que j'ai déjà écrit de mon roman, en gros la moitié quoi, histoire de pouvoir bien me remettre dedans et tout ça. Donc faut que je relise ça pour partir sur de bonnes bases et tout, si je veux le finir une bonne fois pour toutes. Du coup je vais faire ça, je vais commencer à monter la vidéo que vous voyez là, parce qu'hier j'ai pas eu le temps en fait. Et cet après-midi on va aller s'entraîner pour moi, parce qu'en août je passe mon permis, du coup il faut que je m'entraîne à me garer, à faire mes manœuvres et tout ça. Du coup, je vais m'entraîner avec la voiture de mon copain sur un parking désert parce qu'on est dimanche. Ça, c'est pratique. Et puis après, on va aller se balader ou je sais pas, faire quelque chose à l'extérieur. Donc, ça va être trop trop bien. Et voilà, ce sera tout pour cette dernière petite journée de semaine avec moi. Donc, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Et donc, pour commencer, quoi de mieux qu'un petit-déj? Vous connaissez mon amour pour les petits-déj. Vraiment, je peux rien faire de la journée avant d'avoir mangé.
Et ensuite, je me suis attaquée à la relecture de mon manuscrit. Donc à chaque fois, ça me fait trop bizarre quand je le relis et je change plein de trucs. Et ensuite, la conduite. Donc comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis vraiment une pilote chevronnée. Bon d'accord, j'ai fait tomber la bouteille, mais j'ai quand même réussi à me garer, non? C'est pas trop mal. Et après l'effort, le réconfort, on a pris la direction de la campagne pour vraiment s'aérer l'esprit. Donc, on vient d'arriver à l'endroit où on veut aller se promener. On va faire un petit pique-nique. Et regardez, genre, je voulais aller aux toilettes et tout. Et au départ, j'ai pas compris. Parce que genre, les toilettes sont clean et tout. Mais, ben, j'ai cru que genre, le siège avait été volé. Enfin, je sais pas, j'avais jamais vu ça avant. Et en fait, ben, on doit se servir d'un sac comme ça. Et c'est expliqué là. Et en gros, ben, tu mets ton sac... sur la cuvette et puis tu fais ton truc quoi, tu fais ton affaire et après tu la jettes ici. Bon par contre les mecs eux ils ont de la chance, ils ont leur truc quoi. Mais trop bizarre. Alors en vrai c'est ingénieux, du coup les toilettes sont super clean et tout. Bon par contre je crois pas que ça soit très écolo quoi. Mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que je sais pas, je trouvais ça trop bizarre. Mais dites-moi si vous avez déjà vu ça ailleurs, hein. Moi j'ai jamais vu ça. Et après cette découverte révolutionnaire des toilettes de randonnée à la Scandinave, donc on s'est mis en quête d'un endroit sympa pour pique-niquer. Donc on a pu rencontrer la faune sauvage avec ses magnifiques crapauds et des petites grenouilles. Et une fois que j'avais fini d'harceler les grenouilles, on s'est enfin posé, on a trouvé une table super cool, on a mis notre petite nappe. On a sorti les salades et comme vous pouvez le voir, la vue est plutôt sympa. Alors franchement, cette séquence de timelapse, je l'aime trop. Voilà, regardez comment les arbres bougent et tout. Je suis désolée de me vanter, mais vraiment filmer à l'extérieur, c'est tout ce que je préfère. Et ensuite, on a repris le chemin de la maison et vu que la vidéo est déjà assez longue, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette semaine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et nous, on se retrouve pour la prochaine !